qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Más perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Maman, une seconde, laisse-moi voir ce que veut Julio. Ils appellent depuis le poste de police. Calme-toi, je sais gérer ces situations. Julio, est-ce que tout va bien? Pourquoi tu es là-bas? Irène, j'ai besoin de ton aide. Je n'arrive pas à joindre mon père et nous sommes au poste de police. Nous sommes détenus. C'est bon, Oriana, affiche-moi la paix. Tu imagines ma tante s'occuper de moi? Tu es blessée, regarde-toi! Il te faut des points de suture! C'est bon, Oriana, laisse-le en paix! Léo, je comprends rien du tout à ça. J'ai entendu ces gars dire que les autorisations de cette fête n'étaient pas en règle. Et pire encore, ils disent avoir trouvé des substances illicites et des jeunes de moins de 18 ans, comment ça se fait? Si quelqu'un a ramené quelque chose d'illégal, eh bien ils n'ont qu'à l'arrêter, nous on n'a rien à voir là-dedans! Léo, tu oublies que tu es le responsable? Ou dois-je te rappeler que ton nom apparaît dans toutes les autorisations comme l'organisateur de la fête? Et Rodrigo, c'est dingue, il ne répond pas. Mais qui est Rodrigo? C'est notre associé. Il a les autorisations et quand il apprendra ça, il va nous faire sortir de cette galère. C'est bon, ton frère a appelé ton père pour nous sortir d'ici, comme tu lui as demandé. Oui, c'est vrai, je lui ai demandé parce que j'ai paniqué. Mais ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de ne rien lui dire. Pourquoi tu ne vas pas en courant dire à Julio de ne rien dire à mon père? Je vais dehors. Merci. Tu me demandes de rien dire à qui? À mon père? Comme s'il répondait souvent au téléphone. Voilà, tout est enfin prêt. Mon épouse vous a préparé une belle chambre pour que vous puissiez vous reposer et bien dormir. Bien sûr, ce n'est pas un 5 étoiles, mais vous vous sentirez très bien. Mille merci, Memo. Mais je préfère savourer ce beau clair de lune et être en votre compagnie. Vous me faites sentir comme si j'étais dans ma maison. Vous me transmettez cette tranquillité que l'on respire ici. De plus, cet endroit me replonge dans mon enfance, me rappelle mes grands-parents. Ces moments merveilleux qui s'estompent et s'oublient, mais qui sont si importants. Eh bien, merci infiniment, ça nous touche. Vous savez que vous pourrez toujours compter sur nous. Écoutez, mon épouse est en train de vous mijoter une pizza, de ces pizzas que votre grand-père appréciait. Vous allez voir, elle va vous faire dormir toute la nuit. Vous avez déjà vu? Dans quel endroit du monde, dans quelle 5 étoiles du monde on vous prépare votre pizza? Et la pizza que vous aimez? Dans aucun. C'est comme ça. Mais je vais vous demander une chose. Vous m'accompagnerez au dîner. C'est bon, laissez-moi juste un petit moment pour en parler à mon épouse. Pour ma part, il n'y a aucun problème. En vérité, je dirais que je ne suis pas très satisfait. Je ne vous ai pas accueilli comme vraiment vous le méritez. Non, Memo. Vous l'avez déjà fait et même beaucoup plus. Vous m'avez permis de réfléchir. Vous avez pris soin de la maison. Si vous et votre épouse n'étiez pas ici, je ne sais pas où j'aurais atterri.
Croyez-moi, quand je vous dis qu'en ce moment, je me sens décidé, j'ai l'esprit beaucoup plus clair que lorsque je suis arrivé. Mais alors moi, je veux que vous soyez heureux. Allons-y, par ici, par ici. Vous allez voir la chambre que mon épouse vous a préparée. Avec plaisir, mais allons d'abord dîner. Bien sûr. Eh bien, ça alors. Où étais-tu ? Pour être vraiment sincère avec toi, maman, j'ai traîné n'importe où pour ne pas arriver si tôt à la maison. Je pensais que tu serais probablement couchée ou dans une autre pièce de la maison. Maman, vraiment, s'il te plaît, je n'ai aucune envie de parler avec toi ce soir. Ah, que tu le veuilles ou pas, je m'occuperai toujours de toi. Maintenant, je me fais du souci pour ton frère. Il est sorti de la maison et personne ne sait où il est. Il est parti sans garde du corps, sans chauffeur et ne répond pas au téléphone. Je ne sais pas. Peut-être qu'il est en train de reconsidérer sa décision quant à Irène. Ah, il n'a rien à reconsidérer. Elle l'a trompé, il a pris une décision, la faire sortir de sa vie. Maman, maman, s'il te plaît, vraiment, vraiment, ce soir, je n'ai aucune envie de discuter. Respecte au moins cela. Franchement, je ne comprends pas ton attitude. Dernièrement, ton attitude me donne l'impression que tu es contre ta propre famille. C'est tout le contraire, maman. Il semble que dans cette maison, la seule personne qui soit sensée et lucide, ce soit bien moi. Durant des années, je me suis laissé guider par la haine que tu nous inoculais. Et comprends-moi, en ce moment, j'ai des doutes, maman. J'ai des doutes. Je veux connaître la vérité, savoir si réellement Virginia Gutiérrez a été l'assassin de mon frère. C'est elle la coupable ? Ils l'ont condamnée, non ? J'en suis pas très sûr, maman. Oh, je ne sais Seigneur. Pas. Je ne sais pas si c'est la sœur d'Irène qui l'a fait. Si ce n'est pas le cas, mon seul désir est de mettre en prison le vrai assassin de Miguel. Et d'un autre côté, si jamais Leonardo annule ses fiançailles, le perdant dans cette affaire, ce sera lui. Lui et pas Irène. Voyons, je t'en prie. Allez, pressez-vous. Consuelo, fais pression sur le personnel, s'il te plaît. Ah oui, allons-y les filles, s'il vous plaît. Veuillez récupérer les housses. Madame se fait du souci, Famille dépêchez-vous. Ah, Irène Gutiérrez. Mais comment oses-tu, hein? Comment peux-tu oser appeler à ce numéro? Ce que tu as fait à cette famille est impardonnable. Madame Agustina, j'ai besoin de parler expressément avec Monsieur Leonardo. Croyez-moi, c'est une affaire des plus importantes que lui seul peut gérer. Que peut bien vouloir raconter une arriviste comme toi, une voleuse, la sœur de la criminelle? Au grand impresario Leonardo Ferrandis. Bien sûr. Je suppose que tu veux continuer à lui mentir effrontément en le regardant dans les yeux avec ce visage de sainte nitouche que tu affiches. Apprends que Leonardo est au courant de tous tes mensonges et de tous tes manèges, alors autant que tu l'oublies. Madame Agustina, je vous jure que cela n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Vraiment, je vous assure que c'est une affaire importante. C'est un sujet très délicat. J'ai besoin de votre aide, je vous en prie. Moi, personnellement, jamais, et au grand jamais, je ne t'apporterai de l'aide. Mais franchement, Irène, je ne sais pas où se trouve Leonardo. Et puis, si je le savais, je ne te le dirais pas non plus. Aussi, j'exige que tu respectes cette maison et que tu ne rappelles plus jamais. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont raconté? Pourquoi ils l'ont arrêté? Sûrement pas parce qu'il faisait sa prière. Et puis, franchement, Irène, cesse de te préoccuper pour ces gens. Aide-moi plutôt à retrouver ces robes. Maman, Léo et Julio ne sont que des jeunes. Mm-hmm. Ce sont de bonnes personnes, je les connais bien. Oui. Et eux maintenant te connaissent très bien. Je ne vois pas la nécessité de te préoccuper d'eux. Tout ça doit être une erreur. Comment je vais trouver Leonardo? Quoi? Mais laisse tomber toute cette affaire. Ils n'ont qu'à envoyer leurs super avocats, qui savent si bien tout régler en leur faveur, comme ils ont tout organisé pour envoyer ta sœur en prison. Venez, Madame Trinidad, calmez-vous. Ne vous inquiétez pas et dites-moi plutôt où sont les robes, d'accord? Calmez-vous. Allô? Bonjour, Felipe. Excusez-moi de vous appeler à cette heure-ci. Peut-être que vous pourriez me rendre un service? Je suis vraiment très étonnée. Après ce terrible accident, non seulement tu as perdu le contrôle de ton corps, mais aussi la vision de voir les choses, ta façon d'être. Bien entendu que j'ai perdu beaucoup, maman. Savoir que j'allais passer toute ma vie sur un fauteuil roulant m'a fait comprendre que je ne serais plus jamais le grand seigneur Ferrandis. Le millionnaire qui pourrait tout se permettre. Ah, mais enfin, je ne comprends pas ce que tu dis. Maman, aujourd'hui je vois les choses sous un autre angle. Je comprends les souffrances et aussi les injustices. J'ai changé, maman. J'ai changé et tu dois l'accepter. Mais
Alors dis-moi, pourquoi dois-tu être si blessant? Ah, tu penses que je suis blessant, maman? Oui, tu es blessant. Tu ne te rends pas compte comment tu me dis les choses, toujours avec des mots de pitié, avec des mots cyniques qui me rappellent toujours dans quelles conditions je me retrouve? Ah, mon fils, je t'aime tant. Je t'aime et ça me fait mal de te voir ainsi. Maman, je sais que tu m'aimes. Je le sais. Mais ton amour porte la marque des Ferrandis, où le mot aimer signifie être ta propriété. Tu penses être la maîtresse de ce que tu aimes. C'est pareil pour Leonardo. Pour lui, l'amour, c'est comme avoir une part de négociation. C'est pareil, tout comme lorsqu'on signe un contrat avec ses conditions, ses clauses, et même ses pénalités. Oh non, non. Ce que tu es en train de me dire est horrible. Ah, ce n'est pas vrai. Si, ça l'est. Et je vais te dire une chose. Je crois qu'il vaut mieux que tu ne m'aimes pas autant, tu vois. Laisse-moi vivre ma vie comme je l'entends. S'il te plaît. Je tiens à te rappeler que c'est toi qui m'as supplié d'appeler mon père quand ils t'ont jeté en prison. Oui, mais ce fut un moment d'égarement. C'est toi l'immature. C'est pour ça que je n'ai même pas pris la peine de t'inviter à la fête. Tu parles tellement de maturité et d'être un homme parfait. Et tu n'es pas préparé à vivre la vie. Ah, parce que toi, oui. Je te rappelle qu'on est tous ici à cause de ton immaturité. Tu sais rien faire de bien. Mais t'inquiète, papa vient de m'appeler. Et il a beaucoup de choses à faire, comme s'occuper de toi, par exemple. Ah ouais? Tu as appelé qui? Qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi tu règles pas ça tout seul? Hein? C'est que monsieur sait tout? Il vaudrait mieux que tu te taises. On se retrouve ici à cause de ton immaturité. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que nous on sortira bientôt, mais toi tu vas rester ici un bon moment. Parce que d'après ce que j'ai entendu, tu auras encore beaucoup de choses à expliquer. Et tu devras les résoudre toi tout seul. Sans l'argent ni les avocats de papa. C'est bien toi qui es toujours accroché au basque de papa. Moi je te connais bien. Toi, tout ce qui t'intéresse de mon père, c'est son argent. C'est bon, ça suffit. Calme-toi. Tu veux jouer au mec parfait, mais c'est pire que moi. Arrête, calme-toi. Je comprends qu'Irène ait réussi à tromper tout le monde, mais pas moi. J'ai commencé à la soupçonner quand j'ai remarqué qu'il manquait un certain nombre de données dans son dossier. Par exemple, elle ne recevait pas l'assurance médicale pour la famille. Bien sûr, parce qu'avec ces données, on aurait pu la démasquer. Je suis sûre qu'elle avait même d'autres intentions. Et quelles étaient ses intentions, selon toi? Parce que ce qu'elle a fait pendant ces 4 années, c'est de travailler 14 heures par jour. Et même qu'elle a été la nounou des 5 fils de Leonardo, et tout ça pour le même salaire. Oui, oui, pour ça, la pauvre a eu beaucoup de patience. Mais moi, je te dis que c'est une délinquante. Et je suis sûre qu'avec sa sœur, elles étaient de mèche, dans l'assassinat de Miguel. La présumée criminelle. Qu'est-ce qui t'arrive, Rodrigo? Tu es en train de la défendre? Tout d'un coup, tu sembles être du côté d'Irène. Je suis contre les Ferrandis. Et tout le reste m'importe peu. Mais il y a des choses du passé que je connais. Des choses sur l'assassinat de Miguel Ferrandis. Des choses que je peux dévoiler. Que je peux mettre à la lumière du jour quand ça nous conviendra à tous les deux. Arrêtez, c'est bon, stop, arrête, Léo. Décidément, je ne comprends pas ce que vous gagnez à vous bagarrer au lieu de vous entraider entre frères que vous êtes. Vous comprenez pas? Quand vous accusant les uns les autres, vous n'allez qu'attirer des problèmes à tout le monde? Et celle-là, d'où sort-elle? Tu crois parce que ta sœur est accouchée avec mon père? Hé, je te permets pas de mêler ma sœur à cette histoire et encore moins de l'insulter. En plus, ils vont même plus se marier. C'est que j'aurais dû écouter les conseils de ma mère et m'approcher d'aucun de vous. C'est bon. Tu n'as pas à me comparer à lui. Et toi aussi, te crois pas meilleur, Julio. Parce que si tu étais son frère, tu devrais être en train de le défendre et pas en train de l'accuser devant tout le monde. Et qu'est-ce qu'on vous a appris? Beaucoup d'écoles privées et beaucoup d'argent, mais définitivement, vous n'avez aucune idée de ce qu'est une famille. C'est bon, ma chérie, ne te mêle pas de ça, ok? Je connais ces jeunes hommes. J'ai travaillé durant des années pour l'entreprise de leur père. Je vous assure qu'ils sont de bonnes familles et qu'ils n'ont aucun antécédent. Peut-être qu'ils ont commis une erreur, mais ils n'avaient aucune intention de commettre un délit. Bien entendu, nous allons suivre tout le processus légal nécessaire pour répondre aux accusations. Mais je vous prie de bien vouloir autoriser leur sortie et qu'ils rentrent chez eux. Nous payerons la caution, bien entendu. Un instant. Je vais procéder à une consultation. T'as dit caution? Avec quoi veux-tu payer le montant de la caution, Felipe? Nous avons l'argent que nous avait remis Carlos Ernesto pour l'investigation de Virginia. Nous pouvons l'utiliser. Si nous avons besoin de plus, nous pourrons lui demander de rajouter de l'argent. Je pense pas qu'il puisse refuser de libérer ses neveux, non? Oui.
Oui, Carlos Ernesto peut très bien nous aider. Le plus important, c'est de libérer les enfants. Je suppose que vous voulez aussi libérer le groupe qui se trouve avec les Ferrandis. Oui, oui. Ils sont combien? Je vous cite les noms. George Arismendi, Oriana Castellano, Sandra Martinez, Maria Lucia Gutierrez. Maria Lucia? Comment ça? Ma sœur se trouvait avec eux? C'est le pire samedi que nous ayons passé cette année. Et je suis sûre que le dimanche sera pareil. Et avec papa qui est pas là, Tati va sûrement s'acharner sur nous. Et encore une fois, elle se sentira maîtresse des lieux. Salut. Qu'est-ce qui t'arrive, Léna? Je peux rester ici ce soir. Je fais des cauchemars. C'est la tante? Oui. Non, non, tu peux pas rester. Mais non, Léna, il blaguait. Oui, tu peux rester. Merci. Tu sais qu'elle m'a obligée à donner toutes mes peluches, même Bonzo. Hein? Bonzo? Bonzo? Oui, celui qui dormait avec moi et qui me protégeait des fantômes. C'est bon, Léna. D'abord, les fantômes, ça n'existe pas. Et puis, Tati n'a aucun droit de nous enlever nos jouets et nos habits pour les offrir, ok? Nous devons faire quelque chose pour que notre papa change d'avis et se marie avec Irène. Autrement, la tante va sûrement être notre marraine pour toujours. Merci, mon Dieu. Les policiers ont été très aimables et respectueux. Irène, ils vont les libérer parce qu'ils n'ont pas d'antécédents. Ils vont répondre au tribunal devant le juge. Autrement, ce dossier restera bien marqué, crois-moi. Irène. Mille merci. Irène, merci. Sincèrement, je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans toi. Léo, qu'est-ce qui t'est arrivé? Nous devons t'emmener à une clinique pour qu'on s'occupe de toi. Je ne veux rien de toi. Je t'ai pas demandé de l'aide. J'ai pas besoin que la secrétaire de mon père vienne en courant pour résoudre mes problèmes. Au moins, laisse-moi t'emmener à une clinique, enfin. J'ai dit non. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureux que tu ne fasses pas partie de notre famille. J'aurais préféré rester en prison que devoir remercier une arriviste comme toi, tu vois. Je suis fatigué de voir que tu te mêles de nos vies. Je te rappelle que tu es une simple secrétaire. Tu n'es seulement que ça. C'est bon, Léo, stop. C'est moi qui ai appelé Irène, et je regrette pas. Elle nous a toujours aidés, et encore une fois aujourd'hui. J'espère que ce sera la dernière. Je n'ai plus besoin d'elle. Je te rappelle que cette dame ne fait plus partie de notre famille. Aussi plus tôt tu disparaîtras de notre vue, mieux ce sera. Léo. Viens, Irène, Léo. C'est bon, Irène, laisse-le. Il en vaut vraiment pas la peine. Ta petite sœur a raison, Irène. Ça vaut pas la peine que tu te rabaisses à ça. C'est incroyable ce que ton frère peut être désagréable. Grossier et prétentieux, je le supporte pas. Oui, il est même. Mais je ne suis pas comme lui. Irène, je te présente toutes mes excuses pour l'attitude immature de mon frère. En fait, on peut te dire merci au nom de tous. Tu nous as vraiment sauvé la vie. Ne te fais pas de soucis, Julio. Pour moi, ce sera toujours un plaisir de vous aider. Jeunes gens, j'ai le regret de vous annoncer que ce problème, comme vient de le nommer Julio, n'est pas fini. Vous devrez vous présenter devant le tribunal pour répondre aux accusations. Mais pourquoi? Tout ce qu'on a fait, c'est d'aller à une fête. C'était une super fête. A priori, elle n'était pas si belle. Bon, nous ferons tout ce que vous demandez, monsieur. Et encore une fois, Irène, merci. Rodrigo, Rodrigo, l'homme des plus grands mystères. Raconte-moi ce que tu sais sur cette histoire. Tu sais que j'adore les petits secrets. En plus, toi et moi, nous sommes plus qu'associés. Et tu es dans l'obligation de me raconter tout ce que tu sais sur cette histoire. Absolument tout. Arrête, arrête, Alejandra. Pourquoi tu es si tendue, hein? Ça nous fait perdre notre but commun à tous les deux, qui est celui d'être contre Ferrandis. Si je te permets de te laisser aller à cette soif de vengeance contre la secrétaire, nous n'allons jamais parvenir à exécuter nos plans. Mais qu'est-ce que ça te coûte de me raconter, hein? En plus, tu sais bien que tout ce qui touche à Irène m'intéresse. C'est bon, je vais rien te dire. En plus, tu peux me dire ce que tu as avec cette Irène? Tu viens de me dire qu'ils n'allaient plus se marier. Oui, je sais, mais tu dois comprendre que j'ai besoin de récupérer mon influence au sein de l'entreprise, ainsi que la confiance de Leonardo. Et pour cela,
Il me serait très utile d'avoir des informations sur son pauvre petit frère, chéri. Je ne crois pas que l'information que je détiens puisse te servir pour gagner des points ni avec Leonardo, ni avec sa famille. Ah non ? Non. Mmh. Je te conseille donc de laisser tomber. Laisse ça au passé. Il y a des secrets qu'il vaut mieux ne pas savoir. Comme celui-ci qui est enterré depuis plus de 15 ans. Mais qu'est-ce que ça te coûte de me raconter tout ça ? Si toutefois, à n'importe quel moment, nous aurions besoin de ce secret, je te raconterai tout. Jusqu'au dernier petit détail. Mais maintenant, je le garde pour moi. Comme je l'ai toujours gardé depuis 15 ans. J'ai du mal à le croire. Je n'ai pas pu dormir de toute la nuit. En plus, ma tension est montée quand j'ai appris que toi, Maria Lucia, tu étais avec les enfants de ce monsieur dont je ne veux même pas citer le nom. Pourquoi vous me faites ça ? Maman, je suis désolée, d'accord ? Tu sais très bien que je ne sors jamais. Mais vraiment, c'était une fête où je mourrais d'envie d'y aller. Et tu étais obligée de sortir comme une folle sans ma permission. Pourquoi tu me fais ça ? Pourquoi, ma fille ? C'est bon, maman. S'il te plaît, c'est fini. Essaie de te calmer. Maria Lucia... Tu as osé porter la robe de la fille de ma cliente ? Et en plus, tu l'as déchirée ? Je savais que ma tête ne me faisait pas défaut. C'est toi qui me fais défaut. Qu'est-ce que je vais dire à la dame maintenant ? Qu'est-ce que je vais lui dire ? Maman, te mettre dans cet état te fait beaucoup de mal, s'il te plaît. Calme-toi. Écoute, je te jure que je vais la lui rembourser, d'accord ? Bien sûr que tu vas la payer. Jusqu'au dernier centime. Et aussi, tu vas payer ton abus, ton manque de respect. Tu es puni. Demain, tu ne sortiras pas d'ici. Et plus de téléphone portable, plus d'ordinateur, ni rien de tout cela. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi mes filles veulent m'anéantir. Ah non, maman. Je vais te préparer une tisane. Non, du poison. Apporte-moi plutôt du poison, c'est cela dont j'ai besoin. Parce que mes filles sont des têtes de mules qui se sont acharnées à continuer à refaire les mêmes erreurs. Je comprends pas comment ils ont pu te prêter cet appartement. Qui est-ce ? Un ami, Oriana. Ah, mais qui est cet ami ? Et dans quel but ce supposé ami peut te prêter un appartement comme ça ? Écoute, Oriana, arrête un peu, oui ? Si tu veux rester, ok, sinon je t'appelle un taxi. Ne te dérange surtout pas, je sais le faire toute seule. Vous allez pas encore recommencer ? Je serais plus tranquille si nous allions voir un médecin pour qu'il te soigne ta blessure. Le sang ne cesse pas de couler, mon amour. Écoute, ce n'est rien. Ne crois pas que ton cher ami soit un boxeur. Il m'a juste pris au dépourvu. Ok, mais que le médecin te le dise, d'accord ? Allez, mon amour, fais-moi confiance. Écoute, je t'ai dit que je n'aime pas les médecins, Oriana. Oh, Léo, s'il te plaît. Georges, dis-lui quelque chose. Il t'écoutera plus, peut-être. Oriana, mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise ? Comme si tu savais pas à quel point Léo est têtu. Écoute, tu sais quoi ? Je suis pas d'humeur à écouter tes serments. Celui qui se trouve ici devant vous va aller se laver et se coucher. Faites ce que vous voulez. Vous vous êtes entêté à vous tromper, mais continuez comme ça et vous allez très mal finir. Ne me mens pas, Julio. J'ai passé toute la nuit à répondre aux appels téléphoniques des amis de ton frère, qui étaient à cette fête où vous avez tous terminé en prison. Oui, c'est bon. Pas tous. Quelques-uns seulement. Et maintenant, je suis ici. Où est ton frère ? Je sais pas. Comment tu ne sais pas ? Il n'était pas là-bas avec toi à cette fête ? Oui, il y était. Et d'ailleurs, c'est de sa faute si tout s'est mal terminé. Il me semble que... Il n'a pas obtenu les autorisations. Il n'a pas respecté les lois. Ça suffit. Qu'est-ce qu'il a à voir avec tout ça, ton frère ? C'est lui qui avait organisé la fête. Comment ? Oui, et maintenant, à cause de lui, il faut aller au tribunal et rendre des services communautaires. Bon, c'est grâce à l'avocat qui a réussi à négocier un bon accord. Avocat ? Quel avocat ? Julio, tu as pu parler avec ton père ? Non. J'ai appelé Irène et elle nous a aidés. Irène ? Mais comment as-tu osé appeler cette femme ? Avant, tu aurais dû m'appeler moi, qui suis ta tante. Ou ton oncle Carlos Ernesto, pas cette femme. Elle n'est pas de la famille, c'est une spéculatrice. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je l'ai appelée, elle est venue et elle nous a aidés. Et je en suis très reconnaissant. Si cela te dérange, franchement, ça ne m'intéresse pas. Je vais dormir. Ciao. Bonjour, maman. Et c'est tout ? Tu n'as rien à me dire ?
Qu'est-ce que tu veux que je te dise, maman? Au moins, me présenter des excuses pour les mots horribles que tu m'as dit hier soir. Désolé si je t'ai blessée, maman, mais je pense que c'était nécessaire de te les dire. J'ai toujours pensé que la vérité, présentée en face, c'est mieux. Et c'est cela ta vérité? Tu penses qu'elle n'a pas menti et qu'elle est beaucoup mieux que ta propre famille, n'est-ce pas? Je t'en prie, ne me fais surtout pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce que je pense et que je défends, c'est que toute personne a le droit de commettre des erreurs et de les corriger. Erreur? Un meurtre? Tu appelles ça une erreur? Irène n'a commis aucun assassinat, maman. S'il te plaît, ne la mets pas dans ce paquet. Tu as le chic et le don de toujours changer les choses non, à ta convenance. Non. Tu me dois le respect. Ne me parle pas sur ce ton. C'est bien, maman. C'est bien. En vérité, je ne pense pas revenir sur cette discussion avec toi, si tu me permets. Et où vas-tu? J'ai un rendez-vous. Mais où ça? Maman, j'ai un rendez-vous et c'est bon. Pourquoi toutes ces questions? Tu n'as pas toujours à savoir où je vais et quand je sors. J'ai un rendez-vous, c'est tout, maman. Au revoir. Je te souhaite un bon dimanche. Ciao. Carlos Ernesto. Attends. Je me rendais chez toi pour t'apporter la tenue que Sandra t'a empruntée. Je l'ai grondée parce que, franchement, c'était un abus assez grave. Un abus? C'est un crime. Un sacrilège. Un vol impardonnable. C'est que ces jeunes filles ne respectent pas mon travail. Tu as absolument raison, mais n'exagère pas non plus. Ma fille n'est pas une voleuse. Elle l'a empruntée. J'ai pris la peine de la laver. Elle est restée comme neuve, avec beaucoup de délicatesse. Elle est comme neuve. J'espère que ma cliente ne s'en rendra pas compte. Autrement, nous devrons la rembourser. Sans parler que je perdrai cette cliente. Bon, mais... Loupé, je ne venais pas seulement parler de la tenue. Je venais te demander un service, parce qu'il y a... Il y a quelque chose qui me terrifie. Oui, tu te sens bien? Qu'est-ce qui se passe? C'est que Maria Lucia s'entête à continuer à sortir avec ce jeune Ferrandis. Ils se sont vus à la fête. Tu sais très bien que ça n'est pas possible. Comme elle est devenue maintenant une jeune fille désobéissante, eh bien, elle ne m'écoute plus. Et je suis sûre que toi, elle t'écouterait. Est-ce que tu peux m'aider? Oh, s'il te plaît, Loupé. Tout ça pourrait bien finir par me tuer. Non, non, non. Calme-toi. Calme-toi, ok? Je vais parler à Maria Lucia et je vais essayer de la convaincre de ne plus fréquenter ce jeune homme. Tu dois m'aider, Loupé. Tu dois essayer. Tu dois essayer de m'aider. Il est question de vie ou de mort. Nous devons faire fuir ce jeune homme. Avant que tout cela finisse mal. Ma petite Sainte Vierge, désolée de t'avoir délaissée. Bon, tu savais déjà que je venais te voir. Tu as vu dans quel drap je me suis empêtrée? C'est pour ça que je suis venue. Pour te demander pardon d'avoir menti et de venir vers toi seulement quand j'ai des problèmes à résoudre. Mais qui mieux que toi pour guider mes pas? C'est pour ça que j'ai toujours recours à toi. Parce que c'est toi qui connais les vrais désirs de mon cœur. Tu sais que ce que j'ai fait, ce n'était pas de mauvaise foi. Je l'ai fait seulement pour aider ma sœur Virginia et ma maman. Ah, Sainte Vierge. Parfois, je voudrais que tu me parles, tu sais. Que tu me conseilles. Que tu me dises ce que je dois faire. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire de ma vie maintenant. Sans mon travail... Et sans les enfants. Sans Leonardo. Éclaire-moi, ma Sainte Vierge. Éclaire-moi parce que tu sais qu'ils font partie fondamentale de ma vie et maintenant je ne sais pas ce que je vais faire. Guide-moi vers le meilleur chemin qui soit, celui que tu considères le plus approprié pour moi. Et je te promets de respecter... De respecter mon engagement de la meilleure manière possible. Sainte Vierge, je t'en supplie, aide-moi à trouver un bon travail pour continuer encore à aider ma famille. Aide-moi à cesser de souffrir par amour. Pour Leonardo. Sainte Vierge,
Guide-moi de la meilleure manière. Je t'en supplie. Para que yo lo repito y lo repito, que te amo más de lo que había entendido, tal parece, y seguir nadando contra la... Ça ne peut pas être un simple hasard. Comment est-ce que tu m'as trouvé? Ta sœur m'a dit que je pouvais certainement te trouver ici. Et tu vois, elle ne s'est pas trompée. Irène, je suis venu parce que... Tu as appris pour hier soir, c'est ça? Oui, oui. Rolio m'a raconté que tu as été celle qui les a sauvés. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Réellement, je ne sais pas comment te remercier, Irène. Rolio m'avait téléphoné, très nerveux parce qu'il ne réussissait pas à te joindre. Pardon, parce qu'il ne vous trouvait pas. Je ne sais plus comment te parler. Pardon, vous parler. Leonardo, tu te rappelles? Nous allions nous marier. Comment l'oublier? Ce n'était pas nécessaire que tu te déplaces jusqu'ici. Un simple coup de fil aurait été suffisant. Je t'assure que c'est très pénible pour moi. Julio m'avait appelé complètement effrayé et pour moi c'était évident de venir à son aide. Tu sais combien j'aime les enfants. Même ma petite sœur était mêlée à toute cette embrouille, donc tu n'as pas à me remercier, sincèrement, parce que moi, en fait... Malgré tout ceci, Irène, de toute manière... Je serais quand même venu. Pour faire tes adieux le plus tôt possible, je suppose. Je veux que tu saches que... Je comprends tes raisons, alors je ne pense pas à les discuter. Je veux aussi que tu saches que je suis déjà allée à l'entreprise pour récupérer toutes mes affaires. Il n'y a plus rien, rien qui me lie à vous. Ou à l'entreprise. Je veux aussi que tu saches que je ne vais même pas demander une lettre de recommandation. Aujourd'hui, je ne te reconnais pas. Toujours si silencieuse. Et précisément aujourd'hui, où je n'ai cessé de penser à tant de choses que j'ai à te dire, et toi tu ne t'arrêtes sans cesse de parler. C'est que je ne veux pas t'écouter. Il est hors de question que j'entende un seul mot de refus qui vienne de ta part. Non, je pourrais pas le supporter. Non, Irène, non. Je ne suis pas venue ici te faire des reproches. Mais bien au contraire, je veux plutôt... Je veux t'entendre. Je veux connaître tes raisons. Je veux que tu me dises toi-même tout ce que tu as à me dire. Je suis là, décidé à me donner l'opportunité de retrouver la confiance en toi. Serait-ce possible que tu veuilles me donner cette opportunité, Irène Gutiérrez? Tu sais très bien que ce n'est pas la folie d'une mère protectrice. C'est ce qu'il y a de mieux pour la vie de Maria Lucia. Ils doivent cesser de se voir. Pour le bien de tous, y compris celui de ce jeune homme. Oui, je le sais, mais tu comprendras aussi que... Non, rien de rien, Loupé. Loupé, tu dois absolument m'aider à éviter une tragédie. C'est bon, mais... Aïe. Je ne serai pas tranquille tant que je ne t'aurai pas avoué ce que j'ai fait sans ta permission. Je suis allée voir Virginia en prison. Qu'est-ce que tu as bien pu dire à ma fille? Au sujet de ce que tu m'as raconté. Je voulais connaître la vérité. Et que t'a-t-elle dit? Ah, je suis désolée. Bonjour, comment allez-vous, madame? Comment veux-tu que j'aille? Je dois sûrement avoir l'attention bien haute à cause de vous deux. Vous vous permettez d'aller à une fête sans permission, vous portez les tenues des autres et vous terminez presque en prison. Sandra, va chercher la tenue que j'ai repassée et que j'ai laissée sur le lit. Oui. Allez, vas-y. Oui. Écoutez, madame, je vous présente toutes mes excuses. Et n'allez pas gronder votre fille, parce que c'est moi qui l'ai convaincue, mais... Mais je veux que vous sachiez que je regrette. Et je vous jure que plus jamais ça se reproduira. Ah.
Georges, prête-moi ton portable, le mien est déchargé. Je dois faire un appel très urgent, Georges. Allez, prête-le-moi. J'arrive. T'as toujours du sang sur ta blessure. Il vaudrait mieux que t'ailles voir un médecin. On sait jamais s'il faut faire quelques points de suture. Tu ne vas pas recommencer comme Oriana. Si belle, mais si insistante. Le téléphone de ce type est éteint, il ne répond pas. Quoi, quel type ? Comment, quel type ? Eh bien, Rodrigo. Il doit m'expliquer certaines choses. Et une d'entre elles, m'expliquer où sont les autorisations de la fête. Parce que si nous devons payer une amende, eh bien que ce soit lui, ou qu'il nous rembourse. Justement, nous étions en train de parler de toi. Oui. Je suis venu chercher des réponses à beaucoup de mes questions. On m'a dit que la fête d'hier soir était un fiasco total. Alors je veux savoir ce que vous avez raté. Je veux t'écouter, Irène. Avant de prendre une quelconque décision, j'ai besoin de connaître les raisons pour lesquelles tu as agi comme tu l'as fait. Tout ce qui s'est passé est tellement confus pour moi. J'ai fait tout cela pour ma famille. Quand le drame est arrivé à ma sœur, j'étais à peine une petite fille. J'ai grandi en voyant la souffrance de ma maman. Elle a toujours espéré profondément qu'elle soit innocente. C'est pour ça que quand j'ai eu ma licence et que j'ai eu mon propre argent, mon but était de chercher la vérité. Tu nous as retrouvés et tu as décidé de t'approcher d'entreprises. Mais sans aucune mauvaise intention. Sans vouloir porter préjudice à personne. La seule chose que je voulais était de rencontrer, selon les dires de Virginia, cette autre femme que Miguel fréquentait. Mon frère avec une autre femme ? C'est ce que dit Virginia. Que Miguel avait une autre femme. Une femme mariée qui lui a donné un fils. Mais qui le détestait et qu'elle voulait passer sous silence. Et pourquoi nous avoir cherchés ? Je ne sais pas. L'immaturité, l'inexpérience. J'ai pensé qu'être au sein de l'entreprise me permettrait de trouver une piste. Je me suis fait un cinéma comme une enfant imaginant la connaître. Mais bon, je suis tombée dans mon propre jeu. Je comprends. Leonardo, les laboratoires Ferrandis m'ont montré un monde merveilleux. Et tout ce que je suis devenue aujourd'hui, je vous le dois. Ça a été mon premier travail. Mon apprentissage. Professionnellement, j'ai senti que ça m'a fait grandir comme personne. J'ai eu des amis et beaucoup d'affection. Ta famille, les enfants. Le jour où on m'a proposé d'être l'assistante de ta secrétaire, je pense que ça a été sans doute le plus beau jour que j'ai vécu chez Ferrandis. Je suis arrivée à la présidence. Je t'ai connue. Et ma vie a changé. Sur ça, nous sommes tous les deux d'accord. Ce jour aussi, tout a changé pour moi. T'avoir à mes côtés, avec cette capacité de dévouement, avec ta loyauté et ta patience, tu as su me montrer les choses sous une autre perspective. Bien que tu ne me proposes pas, ce jour-là, tu as changé ma vie, Irène. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Hey, Mia. Salut. Oh, merci, ils t'ont laissé sortir de la cellule d'isolement. Pas de soucis, ma chérie. Tu sais très bien qu'à la longue, ça finit par terminer. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Eh ben, tu vois, je suis en train de travailler. Tu sais que j'ai envoyé mon dossier à la fondation et ça a marché. Sérieusement ? Waouh ! Super, mon ami. Maintenant, je dois confectionner plus de 50 uniformes pour les employés d'une usine. Et en plus, ils me payent très bien. Avec ça, je pourrais aider ma sœur Irène à payer les frais pour le processus de libération carcérale. Je te le souhaite et que tu sortes enfin d'ici. Oui. Bien que pour moi, ce sera un peu difficile et très triste parce que je vais perdre une amie. Et une des meilleures. Oh, ne dis pas ça, non. Même si je m'en vais, je ne cesserai jamais de te rendre visite. Non, ma fille. Quand tu franchiras cette porte, ne remets plus jamais les pieds dans cette prison. En ce qui me concerne,
Ne te fais aucun souci. Tu sais que je me défends. Dès que tu seras libre, tu essaies de te trouver un fiancé, un beau jeune homme, et tu te dédies à fonder une famille. Et à ta fille. Ouais, Mia. Surtout à ma fille. La dernière fois que je l'ai vue, c'était une petite puce, une petite chose toute petite. Maintenant, c'est toute une femme. Ah, si tu pouvais voir comme elle est belle. J'ai tellement envie de pouvoir partager des choses avec elle, de réussir à ce qu'on devienne bonnes amies, tu vois? Monsieur Ferrandis, quel plaisir de vous voir à nouveau. Cela fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Oui, j'ai été très occupé. À courir d'un endroit à un autre. Bien sûr, ceci n'est qu'une métaphore. Je vous apporte votre vin habituel ? Non. Ceci est une occasion spéciale. Apportez-moi du champagne et le meilleur que vous ayez. Une célébration ? C'est bien plus que cela. C'est un jour de souvenir. J'attends une vieille amie. Bien qu'à y réfléchir, elle ne soit ni amie ni vieille. Mais ça faisait très longtemps qu'elle et moi devions avoir cette conversation. Si vous le permettez. Je vous en prie. Bonjour. Carlos Ernesto. J'ai bien fait d'avoir pris la décision de t'écouter. Maintenant, je vois mieux, sous un autre angle. Cette nuit-là, avec ma mère en train de proférer des accusations, tout était tellement confus. Je m'étais senti trahi. Je me suis senti menacé dans ma maison. J'ai senti que j'avais mis en péril ma famille. Non, je t'en prie, ne dis pas ça. C'est bien moi qui ai commis l'erreur. Alors que j'aurais pu avoir la confiance de parler en face, d'être sincère. Mais tout ça est arrivé parce que j'attendais le bon moment pour en parler. Et je regrette énormément. C'est Felipe, l'avocat qui m'a aidé hier. Pour les enfants. Prends l'appel et présente-lui mes remerciements, s'il te plaît. Bonjour, Felipe. Raconte-moi. Oui, évidemment. Dans un moment, je te rejoins. Ciao. Je te remercie. Il m'a dit qu'il a pu avoir toutes les informations du travail communautaire que doivent exécuter les enfants. Alors dès que je le vois, je lui transmets ton message. Et que dirais-tu si je t'accompagnais moi-même là-bas, hein ? Ce sera l'occasion de nous connaître, de profiter pour payer ses honoraires et connaître aussi le travail communautaire que les enfants vont devoir réaliser. J'adore te voir sourire. Entre autres, je ne t'ai pas dit tout ce que je suis venu te dire. Ah non ? Non. Je ne t'ai pas dit le plus important. Je souhaiterais que tu me laisses l'opportunité de continuer à penser à la possibilité de notre mariage. Je ne veux pas que tu abandonnes l'idée que nous soyons ensemble. Que nous choisissions une date, celle que tu voudras. Je veux que tu sois mon épouse. Para que yo lo repito y lo repito. Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego. O quizá tan solo fui un bonito sueño. Para que voy a luchar contra la gente. Y seguir nadando contra la corriente. Más perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente? Y seguir nadando contra la corriente. Más perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?